Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi c'est Sandrine. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur FIFA 19. Très vidéo, pack opening Ligue des Champions. Donc on va se ouvrir deux packs Ligue des Champions dans la boutique. Hein. Et aussi on va récupérer un joueur maintenant Ligue des Champions avec 70 plus de général. Vous voyez ici, il fallait faire une petite mission, hein, une petite quête. Mettre 3 joueurs Europa League dans l'effectif. Donc voilà, du coup je débloque un joueur Champions League. Hors plus, donc on peut peut-être avoir un joueur élite, hein, peut-être, hein, j'espère. Hein. Du coup, on va se récupérer ça. Le premier joueur Champions League, c'est parti. On espère avoir du gros dans cette vidéo. Hein. J'espère que je vais avoir des gros joueurs Champions League. Ça ferait plaisir. Hier en live, j'ai packé Strongman 82 Europa League en faisant les matchs. Donc franchement, j'espère avoir encore mieux aujourd'hui. Du coup, c'est parti. Le joueur, c'est. Ok, c'est de la merde. 70, hein. 70 du coup, mais à ce qui paraît ça se revend carrément cher les joueurs comme ça. Les joueurs Champions League ça se revend carrément cher ce qui paraît. Du coup boutique. Et aussi on aura aussi, aujourd'hui on aura un joueur. En fait les gars là on va avoir deux packs Ligue des Champions. On va avoir deux packs Ligue des Champions. Et après on ira ouvrir un pack dans le défi. On va avoir un joueur Europa League, donc on ira voir ça après. Donc là, on va avoir deux joueurs Europa League, un joueur Champions League. Donc les joueurs Champions League, ceux qui m'intéressent le plus, c'est Ter Stegen, Sergio Busquets et Coutinho, joueur du Barça quoi, vu que j'ai une équipe full Barça. Et puis aussi les petits joueurs de Première Ligue, hein, si je peux avoir des joueurs de Première Ligue, ce serait bien. Hein. Ça serait bien, vu que je fais en deuxième équipe une Première Ligue. Mais bon, je pense que si je pack un joueur de Première Ligue, je pense que je vais le revendre. Hein. Je pense que je vais le revendre, le joueur. Du coup, c'est parti, les gars. On ouvre le pack. On va ouvrir deux comme ça. Deux comme ça, pack à 2500 gemmes. C'est parti, le premier pack, les gars. Allez, on espère avoir du lourd. Ok, 100 points de groupe. Ça fait plaisir, ça. Ok, 70, le joueur Europa League. 73, joueur Champions League. Et 75, joueur Europa League. Bon, la merde. Vraiment de la merde, ce pack. J'espère qu'ils vont donner un petit joueur élite là, ça ferait plaisir dans cette vidéo. Ça me ferait plaisir. Ok, 90 points. 71. 73, ça me donnait plus. Et 75 encore. Oh, ils donnent de la merde. Hein. Ils donnent de la merde dans ces packs. Défi, phase de groupe du coup. On va se récupérer un petit pack du coup. Ici. Moi, du coup, les gars, je fais le groupe A et B. Hein. Je fais le groupe A et B. Du coup, je récupère ça, les gars. Il y a un joueur Europa League. Donc, on peut avoir William, Mandanda ou Rudiger en élite. Mais je pense qu'il y en a d'autres, des joueurs élite. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Hein. Du coup, c'est parti, les gars, pour 35 points. Allez, on veut du lourd, là. On veut du lourd. Oh là là, 70. Oh, mais c'est de la merde. Il y en a qui packent des Hazard, des Aubameyang, des... Genre, c'est un des gros joueurs, ils packent. Et moi, je pack que de la merde. Oh là là, sans déconner. Oh. On va se récupérer ça au passage. On a réussi une tâche aussi. On a réussi une tâche, donc j'irai voir ce que c'est. Là, j'ai pas mal de points, donc je vais pouvoir avancer. Donc là, on récupère encore un joueur Champions League, les gars. 70 plus. Donc là, on veut du jour, les gars. Il y a Ter Stegen, les gars. Allez, donnez-moi Ter Stegen. Donnez-moi Ter Stegen. Oh là là, sans déconner. 72. C'est quoi ces joueurs pétés, là? Okay, on récupère ça encore. C'est cool, j'avance dans le défi là, c'est cool, ça fait plaisir. Hein. Juste avec deux packs à 2500 gemmes. Franchement, j'ai pas mal avancé là. J'ai pas mal avancé. Là, je pense que je peux me prendre celui-là aussi. Ouais, je peux me prendre. Il me reste que deux. Il me reste trois trucs à récupérer, les gars. Bon, après, par contre, il faut beaucoup de points. Il faut 50 points ici. Après, il en faut 100 pour avoir un joueur Champions League Elite. Donc là, c'est sûr qu'il y aura un joueur Elite là. 100 points et après il en faut 150 les gars points. Et là on aura du lourd. Après il y a Messi quand même les gars. Messi AD. Il y a du lourd les gars après les gars. Il y a du lourd. Bon c'est cool, j'ai pas mal avancé dans le défi, mais bon on a pas paqué de gros joueurs, c'est un peu dommage. Je vais voir la quête vite fait. La quête, ils ont dit que j'ai réussi à un truc. Ok, on a 3 joueurs Europa League, les gars. 3 joueurs Europa League à récupérer. Vu que j'ai dépensé 100 points dans le défi. 110. Allez, donnez-moi un gros joueur là. Oh là là, 77. C'est nul, mais c'est nul. C'est nul. Bon bah du coup, c'était tout les gars. C'était tout, je pense.
Est-ce que j'ai 5 joueurs Europa League, Ligue des Champions dans mon équipe? Tac, 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 ils sont les joueurs. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ah, il en manque un. Il en manque un. Ah, dommage, on aurait pu réussir le défi, on aurait pu réussir la quête, mais bon, non, j'en ai pas assez à dire. Il en manque un. Du coup, on va mûrir ça vite fait. Ouais, on va aller voir le prix des joueurs Champions League. Des joueurs Champions League, à ce qui paraît, ça te revend carrément cher, les gars. Ça te revend carrément cher, à ce qui paraît. Du coup, ouais. Il manque un général aussi. Il manque un général, les gars. Je passe à 93. Du coup, je vais aller voir les prix des joueurs Champions League à 70. À ce qui paraît, ça se revend hyper cher, les gars. 70, soir, je mets 70. Ouais, mais je vais pas trouver comme ça. Attends, faut pire, je vais mettre le nom d'un joueur que j'ai eu. J'ai packé qui un petit peu. Ouais, j'ai packé quand même des joueurs de merde. Hein. On va mettre lui, on va voir. Ferran Torres, il joue en Espagne. 73 du coup. Ferrand, je vais mettre comme ça dans le mot. J'ai pas dit gérer, j'ai dit Ferrand. Là. Équipe. Liga, je crois qu'il joue à Valence, je suis pas sûr. On va mettre Valence, on verra bien. Ouais, si, il joue à Valence. Ouais, ça vaut pas si cher que ça. Hein. C'est quand même 40 000 pièces, les gens. 40 000 pièces pour un joueur 73, c'est des ouf, les gens. Putain. Oh, 40 000 pièces pour un joueur comme ça? C'est des ouf, les gens. Le mec, il doit être nul en plus. Ouais, c'est vrai, il a une bonne carte quand même. Il a une bonne carte pour un joueur 73. Ok, bon, bah ouais, ça vaut quand même pas mal de pièces hein, pour des joueurs Champions League comme ça. Ouais. Ouais. Bon, du coup, les gars, c'était une petite vidéo très rapide. Du coup, on n'a pas eu de gros joueurs, c'est dommage. Dites-moi dans les commentaires, vous avez pas kiki un petit peu comme joueur, vous? Moi, hier en live, du coup, je vous montre. J'ai dit que j'avais eu Strongman, mais je vous ai même pas montré. Ouais, hier en live, j'ai eu Strongman, les gars. Hop, j'ai eu celui-là, les gars. MC, du coup, je pense que je vais le revendre. Je sais pas, parce qu'en fait, il coûte pas très cher. Il coûte 150 000 pièces ou 200 000 pièces. C'est pas ouf, quoi. Donc, je sais pas si je le revends ou pas. Donc, dites-moi dans les commentaires si je le revends ou pas. Sinon, je le mettrai en XP. Hein. Je verrai. Du coup, voilà, le seul joueur élite que j'ai packé en, pour l'instant, quoi, dans le défi Ligue des Champions, les gars. Du coup, dites-moi dans les commentaires, vous avez packé qui comme joueur un petit peu. Je sais qu'il y en a qui ont packé des gros joueurs. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont packé des gros joueurs comme Hazard, Aubameyang, Higuain et tout en joueur Europa League. Ligue des Champions, je ne sais pas ce que vous avez packé encore, les gars. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, les gars, je vous laisse ici. Merci encore à ceux qui ont regardé la vidéo, les gars. Allez, ciao!